On n'a pas fait L3, madame. D'accord, ok. Donc, je fais le L3. Alors, la L3, elle est là. Elle est là, la L3. Est-ce que vous voyez mon curseur? L3. Oui ou non? Oui, Amanda. Oui, oh là là, c'est pas possible. Donc, le L1, il démarre le bloc 1. Le L2, il démarre le bloc 2. Le L3, il est dans le bloc. L'étiquette 3, elle est dans le bloc 2. L4, c'est juste avant la fin du bloc 2. On avait numéroté les blocs. Hein. Donc, regardez, c'est numéroté. L'étiquette 5, elle démarre le bloc 3. L'étiquette 6 démarre le bloc 4. Donc, il y a autant de begin que de blocs. Hein. Donc, un bloc, deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, on cherche, quand on nous dit « chercher les états de pile », ça veut dire donner l'état de la pile pendant l'exécution d'un programme donné. Donc, les étiquettes représentent les points d'exécution. Donc, le L3, vous écrivez là parce que c'est des informations, des explications en plus. Vous devez complémenter votre cours. Donc, le L3 démarre. C'est-à-dire, je suis à l'intérieur, à L3, je suis à l'intérieur du bloc 2, pas comme ici. Ici, je suis à l'intérieur du bloc 1, mais je n'ai pas démarré le bloc 2. Alors qu'à L3, nous démarrons le bloc, nous sommes carrément à l'intérieur du bloc 3. Donc, vous avez une tête de pile à L3, vous avez une tête de pile, c'est-à-dire, au début, vous aviez une tête de pile de la procédure A, d'accord? A, pourquoi? On avait dit en cours que à tout mot-clé procédure, on associe une tête de pile avec les paramètres propres à la procédure, les paramètres implicites qui sont les paramètres de sauvegarde de contexte et les paramètres effectifs qui sont les paramètres d'appel de la procédure A. Ensuite, à L2, vous êtes dans le bloc 1. Donc, vous avez la tête de pile du bloc 1. À L1, vous n'êtes pas encore rentré dans le bloc 1. Donc vous avez que la procédure 1. Dans L2, vous êtes rentré dans le bloc 2. Donc, vous avez en plus les variables SCP et vous avez le vecteur de renseignement. Le vecteur de renseignement de B. B est un vecteur. C'est un vecteur à une seule dimension. Ça va de X jusqu'à Y. Donc, un vecteur de renseignement, c'est une TS. Qu'est-ce qu'elle contient, cette TS ou ce vecteur de renseignement? Il contient le nombre de dimensions du vecteur, la borne inférieure, la borne supérieure et la taille que doit occuper ce vecteur. Maintenant, l'allocation des éléments de ce vecteur, on le fait à partir de la tête de pile, du pointeur qu'on a réservé pour le bloc. Ça, c'est à L2. À L3, j'ai exactement pareil, sauf que à L3, je suis rentrée dans, vous écrivez, à L3, nous sommes rentrés dans le bloc 2. À L3, nous sommes rentrés dans le bloc 2. Donc, nous avons une tête de pile de ce bloc, de ce mot-clé bloc. Regardez, begin. Voilà. Donc, on a un mot-clé begin, on a une tête de bloc. Donc, on est rentré dans ce begin. Donc, on a une tête de pile bloc 3. Cette tête de pile bloc 3, puisqu'on est là, elle va pointer vers la même tête de pile que le bloc 2. Donc, elles vont pointer vers le dernier élément de B, dernier élément du vecteur B, c'est-à-dire là où on a alloué de l'espace. Maintenant, il y a en plus, vous avez les variables simples de ce bloc 2 qui sont I et J. Donc, elles se trouvent dans la zone de données
De cette procédure 1. Ensuite, donc ça c'est L3. L4. Alors, si vous avez suivi, L4 c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va écrire à L4? Qu'est-ce qu'on va écrire à L4? L4. Quels sont? Pardon? On va dire oui. C'est la fin du bloc 2, on sort du bloc 2. Nous ne sommes pas encore à la fin. La fin, elle est là. Regardez. Est-ce que vous suivez mon curseur? La fin, c'est après le 1, Oui, pas après avant le... le 1. Voilà, donc vous mettez à L4, vous écrivez à L4, nous sommes toujours dans le bloc 2, dans le bloc 2. Donc, avant la fin du bloc. Avant la fin du bloc 2. Avant la fin du bloc 2. Avant la fin du bloc 2. Et donc, L3 est identique à L4. Vous écrivez que L3 est identique à L4. C'est-à-dire, il y a N de plus. L3 identique à L4. L3 identique à L4. Voilà. Ça va, vous avez écrit, c'est bon? Ça va? Oui, Répondez-moi, madame. s'il vous plaît. OK. Oui. Alors, à L5. Ah oui, d'accord. OK. OK, et oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de retard. OK. C'est bon. Alors. Alors. Il y a 27 étudiants. 27 étudiants sur deux sections. Il faut noter tout ça, hein? D'accord? Il faut noter tout ça. 27 étudiants, j'ai pris les présents, hein? Je suis en train d'écrire la liste de présence, hein? Vous dites aux étudiants, les deux délégués, Messerem et Merali. D'accord, madame. Merali. Merali. Oui, d'accord. Donc, s'il vous plaît, vous dites aux étudiants que je compte l'assiduité. OK. 28 étudiants sur deux sections, c'est très grave. Alors, donc là, je reviens sur le cours. J'étais à L3, j'avais dit que c'était L4 parce qu'il n'y a rien de plus. Il y a absolument rien de plus. Bon. Il y a encore des étudiants qui veulent rentrer. C'est pas bon de faire un retard. Un quart d'heure de retard. OK. Alors. Maintenant, à L5. Alors, à L5. Là, c'est une application directe du cours, hein. Donc, le cours n'est pas compliqué, mais il faut avoir suivi le cours. Alors, à L5, qu'est-ce qu'on peut écrire comme information? À L5. Qu'est-ce qu'on va dire? On a dit que à L5, qu'est-ce qu'on va dire? Quelques mots qui vont vous aider à faire d'autres exemples, d'autres exercices. À L5. Hein? Qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, à L5, nous sommes sortis à L5. Surtout, nous sommes sortis du bloc 2. Écrivez. À L5, nous sommes sortis du bloc 2. Donc, que va contenir la pile? Que va contenir la pile? La pile va contenir La tête de pile. exactement. Elle va contenir exactement comme le début de, c'est-à-dire à L2, si vous voulez, à L2.
Bon, ça m'embête les étudiants là qui. Je suis obligée à chaque fois de revenir pour accepter. Alors. Donc, à L4, à L5, pardon, nous sommes sortis du bloc 2. Donc, vous enlevez la tête pile bloc 2. Vous l'enlevez complètement. Hein. Vous enlevez complètement la tête pile bloc 2. Alors, je vous donne l'état de la pile à L5. Vous avez le display. Display, ça veut dire l'adresse des zones de données, des procédures qui ont appelé la procédure A. Donc, programme principal, par exemple, et puis la procédure elle-même. Ensuite, vous avez tête pile de A, puisque vous êtes toujours dans la procédure A. Vous avez les paramètres implicites et les paramètres effectifs de la procédure A. Vous avez, puisque vous êtes rentré dans, regardez, vous êtes dans L5. L5, vous êtes toujours dans ce bloc, dans le grand bloc. Donc, vous avez la tête pile du bloc 1. Elle est là, c'est celle-là. Tête pile du bloc 1. Puisque ça, ces déclarations, elles sont dans le bloc 1. Donc, il y a toujours les variables SCP et le vecteur de renseignement de B avec l'allocation des éléments de B. Donc, vous avez au début, il n'y avait rien. Ensuite, vous avez alloué de l'espace. Donc, la tête de pile du bloc 1, elle va pointer après les éléments de B. Mais vous n'êtes pas ici, vous êtes là. Vous êtes à L5. À L5, vous n'avez plus. Vous enlevez la tête de pile du bloc 2. Elle n'y est plus. La tête de pile du bloc 2 n'y est pas. Elle n'y est pas. Donc, vous n'avez que les éléments de B. Voilà. Avec la tête pile de la procédure A et la tête de pile du bloc 1. C'est tout. C'est tout. Maintenant, à L6. Alors, à L6. Qu'est-ce qu'on a de spécial à L6? Qu'est-ce qu'on a de spécial? Qu'est-ce qu'on a de spécial à L6? Hein? Oh là là. Qu'est-ce qu'on a de spécial à L6, s'il vous plaît? On est dans le bloc d'approche, on est Oui, d'accord. on est dans le bloc 3. L6, oui. On a quatre blocs, hein? Non, on a la procédure, on a bloc 1, on a bloc 2, on a bloc 3 et L6, on est à l'intérieur. Donc, vous écrivez à L6, nous sommes à l'intérieur du bloc 6, du bloc 3, pardon, du bloc 3. Donc, vous avez le même état de pile qu'à L5, c'est exactement L5, plus vous êtes rentré dans le bloc, vous avez la tête de pile du bloc 3. Alors, la tête de pile du bloc 3, il y a quelque chose de particulier à L6, c'est que vous avez aussi un vecteur. Il s'appelle C, à une seule dimension. Vous avez un vecteur à une seule dimension. Donc, bien sûr, un vecteur, c'est un tableau à une seule dimension. Donc, vous avez la tête de pile du bloc 3 et vous avez le vecteur de renseignement du tableau C. Alors, puisque vous allez allouer de l'espace, c'est pendant l'exécution, vous allez allouer de l'espace au tableau C. Donc la tête de pile de ce bloc, au début, elle pointait comme la tête de pile du bloc 1, mais après l'allocation des éléments de C, donc la tête de pile du bloc 2, du bloc 3, va pointer après l'allocation des éléments du bloc C. Donc voilà ce que c'est L6. Ça va, vous avez compris? C'est bon? Il n'y a pas de questions? Vous pouvez Est-ce qu'il y a des... répéter juste S pour la tête de pile. D'accord. Regardez à L6, vous êtes dans le bloc 3. Donc dans le bloc 3, vous allez avoir une tête de pile bloc 3. Cette tête de pile bloc 3, au début, juste avant d'allouer de l'espace à C, elle pointait comme tête pile bloc 1.
mais c'est-à-dire après les éléments de B. Mais il y a un vecteur, il y a un tableau qui est déclaré, qui est déclaré dans le bloc 3. Donc, ce tableau, on va lui allouer de l'espace. Donc, il a un vecteur de renseignement. Donc, vous rajoutez dans l'espace statique le vecteur de renseignement de C. Et puis, vous rajoutez une tête de pile, bien sûr, qui va pointer après allocation. C'est-à-dire que c'est avant allocation, elle pointe vers l'allocation des éléments de B, après. Mais, quand vous allouez de l'espace pour C, donc cette tête de pile de ce bloc, elle pointera après les éléments alloués à C. Donc, c'est ça, à L6. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, merci. Très bien. OK. OK. Alors, maintenant, je reviens à l'exemple. À L7. Qu'est-ce qu'on a à L7? L7. À L7. L7. Qu'est-ce qu'on a à L7? Hein? L7, c'est la suite de Begin. Il y a Begin Real E. Vous avez le corps du bloc. Ensuite, vous avez un end. Et le L7, il est là. Qu'est-ce qu'on va dire à L7? Hein? Qu'est-ce qu'on va dire à L7? C'est le même que L6. L7, c'est la même que L6. Non. Non, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Regardez. L7, L6, vous n'êtes pas encore entré dans ce bloc. Il y a un autre bloc, un quatrième. Regardez, le premier est là. Le deuxième est là. Le troisième est là. Le quatrième est là. Donc, L7 et L6 ne sont pas pareils. À L7, vous êtes à l'intérieur de ce bloc. Donc, vous avez encore, puisque vous êtes dans un quatrième bloc, vous avez en plus le même état que L6, le même état que L6, plus, donc, une tête de pile du bloc 4. Mais cette tête de pile, elle va pointer où, si vous avez compris? Elle pointe où, cette tête de pile? Hein? La tête de pile du bloc 4, elle va pointer où? Hein? Alors, on a le réel E en plus. Un petit peu avant. Répondez à ma question. Répondez à mes questions avant. Ce que tu dis là, c'est la seconde remarque que je vais donner. Donc, la première remarque, où va pointer le tête de pile de ce bloc, bloc 4? Où est-ce qu'il va pointer? Sur le premier espace libre. Il est où? C'est quoi? C'est juste après l'allocation de C. D'accord? Puisque C, regardez. Vous avez ce bloc à L7. Vous n'êtes pas encore sorti de ce bloc. Or, ce bloc, il se trouve dans celui-là. Donc, là, vous n'êtes pas encore sorti du bloc 3. Or, dans 3, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les éléments de B et les éléments de C. Donc, quand vous rajoutez une tête pile, elle va pointer après les éléments de C. Donc, elle va pointer comme la tête pile du bloc 3. OK? Bloc 3. Maintenant, vous avez en plus la variable E. Donc, dans l'espace statique, vous avez la variable E, la petite variable simple. OK? Donc, voilà ce que vous avez à L7. Et vous dites à L7, Nous ne sommes pas encore sortis ni du bloc 1, ni du 3, le 2 si. Hein. Donc, ni du 1, ni du 3. Par contre, nous sommes dans le bloc 4. Et nous ne sommes pas sortis aussi du... Donc, nous sommes dans le bloc 1. Et dans le bloc 3,
et dans le bloc 4. Voilà. Est-ce que vous avez compris l'exemple? Donc ça, on a donné, ce qu'on vient de traiter, c'est qu'on a donné un état d'exécution, un état d'exécution d'un programme dans le cas d'une allocation dynamique. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand une procédure A appelle une procédure B et qu'on vous demande l'état de l'exécution, par exemple, donner l'état d'exécution dans la procédure de la procédure B, tout en sachant, donc ce qu'on vient de dire, c'est que c'est A qui a appelé B. Donc, dans la zone de données de B, vous avez l'adresse de la zone de données de A. Vous n'avez pas tout le programme de A. Vous avez juste l'adresse de la zone de données de A, c'est-à-dire vous accédez aux données de A. D'accord? Mais vous êtes à l'instant T, vous êtes en train de visualiser, vous visualisez uniquement la procédure B. C'est A qui a appelé B, donc c'est B qui est en cours d'exécution. La différence avec le cas statique, c'est que pendant l'exécution et même à la fin de l'exécution, vous sortez de l'exécution, vous avez tous les programmes qui sont en mémoire. Alors que dans le cas dynamique, vous sortez de la procédure A qui est appelé B, vous sortez de la procédure B, vous n'avez plus accès à la zone de données de B. D'accord? Vous n'avez plus accès. Vous êtes dans A, vous n'avez pas accès à B. Voilà. Est-ce que ça va pour cette remarque? C'est bon? Ça va? Est-ce que ça va? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Alors, en fait, pour cet exemple, je vais vous envoyer le corrigé. D'accord? Donc, je vais vous complémenter le cours. Tout ce qu'on a dit, on va vous l'envoyer, c'est-à-dire on va vous envoyer le bout de cours qui manque, ok? C'est-à-dire le corrigé de l'exemple, voilà. Alors, maintenant, on continue le cours. Alors, là, on avait dit ce que c'était, regardez, on a dit ce que c'était. Une zone de données, une procédure, regardez, la zone de données d'une procédure, on a dit qu'elle était constituée d'une partie statique et d'une partie dynamique. La partie statique, elle contient toutes les données, les données simples qui n'ont pas besoin d'allocation dynamique. Et la partie dynamique, elle contient toutes les allocations. Par exemple, les vecteurs de tous les enregistrements, etc., de fichiers dynamiques. Maintenant, c'est quoi le corps d'une… Et je vous ai dit qu'un bloc, il se comportait… Alors, un bloc, donc ça, regardez, format d'une zone de données du procédure. Donc, zone statique, deux parties, zone statique et zone dynamique. Un bloc… On a dit qu'un bloc se comportait comme une procédure, donc il a une tête de pile, il a ses propres variables. Donc, quand vous sortez de ce bloc, vous dépilez tout. Maintenant, c'est quoi la zone de données d'une procédure, d'un programme principal? Alors, la zone de données d'un programme principal, c'est quoi? Un programme principal, il a une tête de pile. Donc, au mot-clé programme, au mot-clé programme qui démarre un programme dans un langage, vous avez une tête de pile. Vous avez, c'est pareil, vous avez une zone pour les variables simples, vous avez le vecteur de renseignement et vous avez les temporaires, c'est-à-dire un vecteur de renseignement pour les tableaux, d'accord, dans tout ce qui est dynamique. Et les temporaires sont les variables simples. Et puis, pour ce programme principal, s'il a des blocs, eh bien, pour chaque bloc de ce programme principal, comme on vient de faire, vous répétez les mêmes opérations. C'est-à-dire, un bloc, il a une tête de pile, il a une zone pour lui statique, il a une zone pour lui dynamique. D'accord? C'est bon? Donc, c'est pareil, hein, c'est une récursivité. Est-ce que vous avez suivi jusque-là?
C'est pas compliqué. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. D'accord, très bien. OK, alors, maintenant, on veut calculer l'adresse des variables. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut retenir de ce cours, c'est que à l'instant T, comme tout est dynamique, à l'instant T, vous visualisez une seule zone de données. Vous avez besoin d'une zone de données, d'une adresse, d'une variable qui appartient à une procédure qui est en cours d'exécution. C'est très bien. Vous accédez à la zone de données de cette procédure et vous récupérez l'adresse de la variable puisqu'elle se trouve dans sa zone de données. Maintenant, ce qui est différent, c'est que si vous n'êtes pas sur une procédure qui est en cours d'exécution et que vous êtes sorti complètement de la procédure, de la procédure, vous ne pouvez pas calculer l'adresse de variable. C'est dynamique. Vous sortez d'un petit programme, le programme a disparu. D'accord? C'est pas comme en statique. En statique, il y est encore en mémoire. En dynamique, vous allouez encore. À chaque fois que vous rentrez dans une procédure, vous allouez de l'espace pour cette procédure. Alors, maintenant, pour calculer donc les adresses des variables, je vous ai dit la dernière fois, au début du cours, qu'on avait un registre qui s'appelait, qu'on appelait Active Area, c'est-à-dire la zone de données active. Donc, il y a une adresse, il y a un pointeur vers le début de la zone de données active. Donc, une procédure A a appelé la procédure B. La procédure B, par exemple, a appelé la procédure C. Je suis en train d'exécuter la procédure C. Donc, qu'est-ce que j'ai dans la zone de données de C? Puisque c'est A qui a appelé B, B a appelé C, et nous sommes dans C. Ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti ni de A ni de B. Nous sommes toujours dans A et de B, et puis nous sommes particulièrement dans C. Donc, dans la zone de données de C, nous avons accès à la zone de données, à l'adresse de la zone de données de A et de B, puisqu'on n'est pas encore sorti. Hein. C'est parmi les paramètres qu'on sauvegarde dans la zone de données de la procédure C. Donc, si vous voulez chercher les adresses, alors on utilise une variable, enfin un registre, qu'on appelle Active Area ou alors Display Active, c'est-à-dire c'est Display Active ou Active Area, c'est-à-dire l'adresse de la zone de données active. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce pointeur? Il identifie le Display Active, c'est-à-dire la procédure active, et la zone de données associée à la procédure active, c'est-à-dire quelle est la procédure qui est en cours d'activation. A a appelé B, B a appelé C, donc DispActive ou ActiveArea contient l'adresse de la zone de données de la procédure C puisque nous sommes en train d'exécuter la procédure C. Alors, premièrement, on a trois cas. Premièrement, on veut chercher l'adresse de variable déclarée dans le programme principal. Nous sommes dans le programme principal. On veut chercher l'adresse d'une variable qui appartient au programme principal. Alors, comment chercher cette adresse? Alors, l'adresse de cette variable, c'est l'adresse absolue, donc. C'est-à-dire, adresse absolue, c'est l'adresse par rapport à un début de zone. Alors, c'est Active Area, c'est-à-dire qu'on accède. On accède donc au contenu de ce registre qui nous donne l'adresse de la zone de données de ce programme principal. Une fois qu'on est dans ce programme principal, après c'est facile. Vous cherchez cette variable
Dans la zone de données, donc à toute procédure, à tout bloc, à tout programme principal, on associe une zone de données qui contient les données du programme. Donc, on cherche cette variable dans sa zone de données. Donc, c'est par rapport au début de la zone de données. Le deuxième cas, c'est les variables déclarées dans une procédure. Cette fois-ci, la variable n'appartient pas à un programme principal et elle appartient à une procédure. C'est pareil. C'est pareil. L'adresse, comment chercher l'adresse de la variable? C'est le contenu de, et c'est cette procédure qui est en cours d'exécution. Hein? Donc, on accède au contenu du registre plus, puisque la procédure active, c'est la procédure en cours d'exécution, c'est la procédure A par exemple. Donc, j'accède à la zone de données de A et je cherche la variable dans cette zone de données. Donc, c'est par rapport à un début de zone de données. Maintenant, c'est pas compliqué. Le troisième cas qui est un peu plus compliqué, c'est on cherche l'adresse d'une variable qui appartient, c'est-à-dire elle n'est pas locale, la variable appartient à une procédure qui n'est pas en cours d'exécution. Elle n'est pas en cours d'exécution, mais elle a été appelée, c'est-à-dire qu'on est rentré dans la procédure, mais cette procédure a dû appeler une autre procédure. Par exemple, on est dans programme principal. Le programme principal, il a appelé la procédure A et la procédure A a appelé B. Donc, le programme principal n'est pas fini. La procédure A n'est pas achevée aussi. Et la procédure B n'est pas achevée. Et en plus, on est en cours d'exécution de B. Donc, je cherche une variable, l'adresse d'une variable qui n'appartient pas à B, elle appartient à A. À A. Mais A, c'est-à-dire, il y a son adresse de zone de données. D'où je récupère cette adresse de zone de données? Je cache pour que vous ne voyez pas la solution. D'où je récupère l'adresse de la zone de données de A? D'où je récupère? Si vous avez compris ce qu'on a raconté pendant deux cours. D'où je ramène? De la zone dynamique. De? La zone dynamique. Oui, mais comment? Comment? Le dernier élément, madame. Non, pas du tout. C'est faux, hein? Pas de la zone dynamique, du tout. Hein? Du tout. J'ai dit l'adresse d'une variable quelconque. Hein? Je n'ai pas dit forcément dynamique. Hein? J'ai dit l'adresse d'une variable qui appartient à la procédure A, sachant que ce n'est pas A qui est en cours d'exécution. Elle est appelée, mais elle n'est pas encore terminée. Donc, comment accéder à la variable qui appartient à A? Comment? Aïe, 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 les étudiants des deux sections de cette année. Aïe, aïe, aïe. Alors, comment chercher l'adresse de la zone de données de la procédure à laquelle appartient la variable dont je cherche l'adresse? Si vous ne répondez pas, ça veut dire que vous n'avez rien compris, hein? Ça veut dire que vous n'avez rien compris si vous ne répondez pas. Qui c'est qui peut répondre, s'il vous plaît? Parce que là, je suis déçue. Hein? Alors? Madame, la zone de données du programme, la raison pour les variables. Pardon? Vas-y. J'ai dit la zone de données du oui. programme. Uh-huh. Elle contient une tête de pile et une zone pour les variables. Redis doucement. Doucement en vérifiant ce que tu dis. Vas-y, redis. J'ai dit la zone de données du programme. Qu'est-ce qui contient la zone de données du programme? La zone de données pour chaque variable. Une zone des variables. C'est-à-dire, on a les variables thématiques. Non, je pense que tu as compris, mais tu le dis mal. Redis. Réfléchis, tu dis correctement. Ce que tu dis n'est pas bon, mais je pense que c'est parce que tu t'es mal exprimé. C'est un petit peu ça, oui. Donc, allez-y, redites-le. Vas-y. C'est Amaïs.
Amaïs? Oui. D'accord, vas-y, redis doucement. Moi, je cherche l'adresse d'une variable qui appartient à la procédure A, mais ce n'est pas A qui est en cours d'exécution, c'est B. Comment accéder à l'adresse de A, à l'adresse de la variable qui appartient à Bon, Dites-le-moi. Oui? ce que j'ai compris, c'est normalement, la zone des variables. Donc, si A appelle B, D'accord? Que contient B? bon, elle Oui, contient le A nom appelle des B, donc que variables. contient B? B contient l'adresse de la zone de Oui. données de A. C'est pas la Oui. variable, elle contient l'adresse de la zone. Oui, l'adresse, c'est la zone des variables. Voilà, très bien. Toi, tu as dit contient les variables. Donc, c'est l'adresse de la zone de données de A. Qu'est-ce que c'est l'adresse de la zone de données de A? Ça veut dire que si vous récupérez l'adresse de la zone de données de A, vous partez dans la zone de données de A, vous allez trouver cette variable. D'accord? D'accord. Donc, ce que tu dis est correct, mais tu l'as mal dit. OK. Est-ce que vous avez suivi? Donc, je cherche l'adresse d'une variable qui appartient à une certaine procédure qui n'est pas en cours d'exécution, mais elle n'est pas terminée. Hein. Parce que quand la procédure est terminée, je ne peux pas calculer. Je ne peux pas. Le programme n'a pas accès à cette variable. Par contre, si la procédure n'est pas terminée, je peux. Donc, comment je fais? Donc, j'accède à une variable. Je veux chercher l'adresse d'une variable non locale. Elle est déclarée dans une procédure de niveau K et référencée par une procédure de niveau I. Ça veut dire que c'est I qui est en cours d'exécution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la pile de I. On va dans la pile de I. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche. Donc, c'est le contenu de ActiVariable plus le niveau d'imbrication des procédures. La procédure, elle est de niveau K. Donc, il faut arriver vers cette procédure. Donc, il faut chercher l'adresse de ces zones de données. Elles sont empilées dans la zone de données de B. Une fois que vous avez trouvé cette procédure, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous allez vers cette procédure et vous cherchez cette variable par rapport. Donc, c'est son déplacement par rapport dans sa zone de données. Dans sa zone de. Une fois que vous avez l'adresse de la procédure K, parce que c'est elle, c'est K qui est appelée I. Donc, vous et la variable, elle appartient à K. Donc, vous allez dans K et vous récupérez l'adresse de la variable qui appartient à K. OK, ça va? C'est bon? C'est bon? Est-ce que ça va? Oui, madame. D'accord. OK. Maintenant, comment vous traitez les procédures? Excusez-moi, il y a 2 secondes, je reçois un appel de la fac. Allô? Allô? Oui, ça va? Oui? Oui, ça va, je suis en cours. Hein. Oui? Non, non, je suis en cours, je suis en cours. D'accord? Oui, en ligne, oui. OK, à tout à l'heure. Merci. C'est bon? Oui? À tout à l'heure, je suis en cours. Donc, je suis au traitement de la procédure, des procédures. Rappelez-vous quand on a fait le if, quand on a fait le while, les étiquettes. Je vous ai dit, vous écrivez un if. Un if, il a l'air tout simple. C'est if condition, then instruction 1, else instruction 2. C'est très facile. Mais quand vous générez le code du if, le code du if est un peu plus long. Il a été étendu. Le while, c'est pareil. Un compilateur, j'ai dit que c'était comme un enfant. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Vous déclarez la procédure A, vous déclarez la procédure B. Donc, le mot-clé procédure,
suivi du nom de la procédure, suivi des paramètres de la procédure. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, vous lui expliquez. Maintenant, on est à la partie traitement des procédures. C'est plus le if, c'est plus le repeat, c'est plus les instructions simples, mais maintenant, c'est les procédures. La toute procédure là qui est très facile, c'est procédure, mot-clé procédure, suivi du nom de la procédure, suivi des paramètres. Elle est très compliquée. Elle est très, très compliquée. C'est un des traitements les plus compliqués de la compilation. Alors, vous êtes en train de faire un compilateur. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez trois cas de rencontre du procédure. Soit à la déclaration, vous la déclarez, donc avec le mot-clé procédure, le nom de la procédure, et puis les paramètres de la procédure. Sinon, avec l'appel, donc vous avez besoin du nom de la procédure, les paramètres, et c'est là où vous faites l'association paramètres formels et paramètres effectifs. Est-ce que vous vous rappelez maintenant des paramètres formels et effectifs? Les paramètres formels sont des paramètres d'écriture. Les paramètres effectifs sont des paramètres d'appel, c'est-à-dire vous faites l'association effective. Donc, l'appel se fait avec les paramètres effectifs. Et puis, vous avez la fin de la procédure. Alors, on commence par le premier cas, c'est déclaration de procédure. La procédure, donc, vous la déclarez par le mot-clé procédure, suivi du nom, suivi de paramètres. Qu'est-ce que vous faites lorsque… Donc, c'est du code. Ça sera du code. Quand vous écrivez une déclaration de procédure, quand vous déclarez une procédure, par exemple, test, procédure test avec un ensemble de paramètres, ça sera pas traduit comme ça bêtement, mais ça sera traduit de cette façon. Regardez le code qu'on écrit quand on déclare une procédure. Vous empilez dans une pile, parce qu'une déclaration de procédure, c'est une pile. Vous empilez, donc vous prévoyez une pile, et puis vous empilez dans cette pile le display de la procédure. C'est quoi le display de la procédure? C'est quoi le display de la procédure? C'est quoi un display de procédure? Ben, si vous avez suivi tous les cours, c'est quoi un display de procédure? C'est quoi? Alors, les étudiants, qu'est-ce qui leur arrive? C'est quoi le display d'une procédure? Mérali, qu'est-ce que ça veut dire un display de procédure? Très bien. Mais c'est rare. C'est quoi un display de procédure? C'est le corps de la procédure. Non. La partie statique, madame. Non. De la pile. Pas du tout. Oui, ça se trouve dans la partie statique, mais ce n'est pas la partie statique. Ça se trouve dans la partie statique, mais ce n'est pas la partie statique. C'est quoi? Ça, je l'ai fait en présentiel, avec un stylo. C'est quoi le display d'une procédure? C'est un objet stocké en mémoire. Oh là là. C'est une pile qui contient l'adresse de la procédure appelant. Qui c'est qui parle? C'est Misera. Oui, c'est ça. C'est ça. Un display. Prison de données. Voilà. Un display, il contient la procédure A, à appeler B, à appeler C. Si vous êtes en train, si vous êtes dans C contient les adresses des zones de données de A, l'adresse de zone de données de B et son adresse de zone de données à elle-même. C'est ce qu'on appelle le display. C'est comme ça qu'on accède aux données de A et B, sinon on n'a aucun moyen d'accéder. C'est pas comme en statique. En allocation en langage statique, tout est en mémoire. Tout en mémoire, donc tout est visualisé. Alors que là, vous avez des adresses de zones de données et c'est dans le display.
Est-ce que c'est bon? Ça, c'est le premier cours. Hein? C'est bon? Oui, madame. S'il vous plaît, faites un effort, hein, parce que ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas. Hein? Elle est arrivée, hein? S'il vous plaît. Alors, donc, vous empilez le display de la procédure, c'est-à-dire quelles sont les procédures dans lesquelles sont déclarées la procédure C. Vous empilez toujours le tête de pile. À chaque mot-clé procédure, on a dit qu'à chaque mot-clé procédure, il correspondait une tête de pile. Donc, dans cette pile des données, en plus que vous… En fait, on est en train de programmer. On est en train de programmer ça. Regardez. C'est ça. C'est ça, parce que… Qui c'est qui va construire ces piles? Qui c'est qui va construire ces piles? C'est le compilateur qu'on est en train de construire. Hein? Regardez. Display, tête pile, paramètres implicites, paramètres effectifs. Donc là, c'est de la programmation. Mais nous, on ne l'écrit pas sous forme de programme. Hein? On l'écrit sous forme de phrases, de mots. Alors, donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devant une procédure, une déclaration procédure. Vous empilez le display de la procédure, c'est-à-dire toutes les adresses des zones de données des procédures dans lesquelles sont déclarées la procédure C. Vous empilez dans cette pile. Vous empilez dans cette pile. Vous empilez dans cette pile le tête de pile, d'accord? Parce qu'à tout mot-clé procédure, il correspond une tête de pile. Vous empilez dans cette pile aussi les paramètres implicites. Tout ce qu'on a dit avant. Tout ce qu'on a dit avant, maintenant, c'est sous forme d'action, d'activité, d'action, d'algorithme. Ça, c'est un algorithme. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous empilez les paramètres implicites. C'est quoi les paramètres implicites? C'est les paramètres de sauvegarde de contexte. Il y a A qui a appelé B. B, elle a appelé C. Donc, ça veut dire que quand je pars vers C, il faut savoir où est-ce que je dois retourner. Donc, les adresses de A, les adresses de B, où est-ce que je dois retourner exactement? Les adresses de retour. Donc, c'est les paramètres de sauvegarde de contexte. Alors, vous empilez aussi dans cette pile de données les paramètres de la procédure. Une procédure, elle a des paramètres. Donc, bon, ce n'est pas tout le temps, mais quand elle a des paramètres, vous empilez dans la zone de données de cette procédure les adresses des paramètres dans la zone statique. C'est vrai que c'est dans la zone statique, mais ce n'est pas les paramètres. Mais le display, attendez, mais le display, alors, mais le display ne contient pas les variables. Il contient les adresses des variables, il contient les adresses des variables, des données qui appartiennent aux programmes, aux procédures qui ont appelé cette procédure. D'accord? Donc, c'est vrai que ça appartient à la zone statique, mais ce n'est pas des variables statiques, c'est les adresses des zones de données, le display. Alors, maintenant, lors de l'appel, qu'est-ce qui va se passer? Alors, indépendamment du module compile, qu'est-ce qui se passe lors de l'appel? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lors de l'appel du procédure? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde le contexte de la procédure appelante. Oui, il est déjà sauvegardé. Donc, on récupère les paramètres. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère les paramètres sauvegardés. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde l'adresse de l'instruction qui suit l'appel. On sauvegarde l'adresse de l'instruction qui suit l'appel. C'est l'adresse de retour.
Non, Voilà. vous avez accès à une variable, à une procédure, c'est-à-dire vous avez un appel de variable, un appel de procédure. Qu'est-ce que vous faites exactement? On s'en Qu'est-ce que vous branche faites? vers le début de la procédure. Qui c'est que c'est? Messerin. Oui. Ben oui, vous avez un appel de procédure. Vous faites un branchement vers cette procédure. D'accord? C'est un appel, donc avec les adresses que vous avez sauvegardées, vous récupérez l'adresse et vous faites un branchement vers cette procédure. Et puis, qu'est-ce que vous faites aussi? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des paramètres effectifs. Oui. Hein? Oui. Vous faites des paramètres, vous avez des paramètres effectifs. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On sauvegarde en cache les en mémoire tampon les paramètres de la procédure appelante. C'est-à-dire, donnez-moi des détails, indépendamment du module compile. Vous avez des paramètres formels et vous avez des paramètres effectifs. Vous avez déclaré la procédure avec des paramètres formels et vous appelez avec les paramètres effectifs. Qu'est-ce que vous faites sur le plan programmation? Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Eh bien, vous faites l'association. Paramètres effectifs et paramètres formels. Imaginez que vous avez déclaré une procédure avec 5 paramètres et au moment de l'appel, vous vous appelez avec 3 paramètres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est une erreur de quoi? De compile ou d'exécution? Madame, vous pouvez répéter cette dernière phrase? Vous avez déclaré une variable avec 5 paramètres et vous avez fait l'appel avec 2 paramètres. Qu'est-ce qu'on va vous signaler? Qu'est-ce qu'il va vous dire soit l'exécution, soit la compilation? Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Est-ce que c'est en compile ou alors c'est exécution? L'erreur est syntaxique. Qu'est-ce que ça veut dire erreur syntaxique? Est-ce que c'est compile ou c'est exécution? S'il compile et elle va générer une erreur d'exécution. Comment ça, une erreur de compile, elle reste compile, elle ne peut pas être erreur d'exécution. Oh, c'est Hein? une erreur de compilation. C'est une Il erreur de compilation, oui. Et va pas comment? exécuter. Okay. C'est-à-dire, oui, c'est une erreur de compilation, oui. Ça veut dire que vous faites le traitement pendant la compile. Si vous ne le faites pas pendant la compilation, ça va être une erreur d'exécution. D'accord? Mais faites les choses que vous pouvez dé déceler, les erreurs que vous pouvez déceler en compilation, faites-le en compilation. Donc, c'est en compilation que vous comptez le nombre de paramètres. Donc, si le nombre de paramètres n'est pas bon, vous dites erreur de compile. Maintenant, si le nombre de paramètres est bon, qu'est-ce qu'il faut vérifier aussi? Qu'est-ce qu'il faut prendre soin de vérifier? Il ne faut pas oublier de vérifier quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on vérifie? Qu'est-ce qu'on vérifie? Les paramètres Hein? introduits existent. Les paramètres? Introduits, la procédure existe. Et Pas oui, ça, hors lors de l'appel, vous allez parcourir, vous allez vérifier que c'est bien une procédure, etc. Ensuite, le début et la fin du bloc. ensuite, qu'est-ce que vous faites aussi, quelque chose d'important par rapport aux paramètres toujours, hein? Qu'est-ce que Type vous des faites? paramètres. Voilà, c'est Messerin toujours. Oui. Messerin. Oui. D'accord, vous vérifiez le type des paramètres. Vous vérifiez est-ce que c'est le même nombre? Ça, c'est compile. Et vous vérifiez aussi est-ce que c'est le même type. Ça peut être compile aussi, hein. Parce que si les paramètres n'ont pas le même type, c'est impossible de faire un appel avec des paramètres dont les types sont différents. Donc, ça peut être une erreur de compile. Si ce n'est pas une erreur de compile, faites-en une erreur d'exécution, c'est-à-dire préparez l'exécution. Préparez ça dans votre génération de code. C'est-à-dire quoi? C'est comme le si. C'est comme le if. Faites une simulation. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas faire la vérification pendant la compilation, vous générez des quadruplés qui vont faire la vérification après. C'est pendant l'exécution. C'est comme le if. Je ne connais pas la condition. Je ne connais pas le résultat de la condition. Donc, si la condition est vraie, je ne connais pas la condition en compilation. Je génère des si. Je dis que si la condition est fausse,
je vais aller au else, sinon j'exécute le then. C'est pareil. C'est pareil. Soit vous connaissez très bien les paramètres, le langage il est purement statique, c'est très bien. Mais si le langage est dynamique, vous avez des tableaux dont vous ne connaissez pas les paramètres. Donc, préparez une génération de code. Donc, vous voyez comment c'est compliqué le traitement d'une procédure. Maintenant, comme on a sauvegardé l'adresse de retour, donc il n'y a pas de problème, c'est un des paramètres à sauvegarder dans la zone de données, c'est un paramètre implicite. Qu'est-ce que vous... Excusez-moi, je suis grippée. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous générez un branchement, un BR, un jump. Vous générez un jump vers... Vous générez un jump vers le début de la procédure. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Oui, madame. Voilà. Ça, c'est le traitement de l'appel de la procédure. Maintenant, le retour. Qu'est-ce que vous faites au retour d'une procédure? Vous êtes arrivé au end de la procédure. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes arrivé au end de la procédure. Qu'est-ce que vous faites? On se branche à la fin, à la dernière. L'instruction après l'appel. Dans la procédure appelante. Voilà, c'est bon, Amrouche. Donc, vous branchez juste après l'adresse de l'instruction qui est là où vous vous êtes déconnecté pour faire l'appel. Comment on récupère cette adresse? Comment on la récupère? On l'a enregistrée dans la pile, dans les paramètres implicites. Parfait. Très bien, c'est Amrouche. Oui. Très bien. OK. Parfait. C'est bon. Est-ce que tous les étudiants ont compris? Est-ce que le reste des étudiants, les 34 étudiants qui restent, ont compris? Est-ce que ça va? Oui. Oui, madame. D'accord. Très bien. OK. Je fais difficilement le cours. Je suis grippée. Alors, retour. Donc, retour. Donc, c'est ce qu'elle vient de dire votre camarade Amrouche. Vous récupérez l'adresse de la zone de données de la procédure appelante. D'accord? Parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on va retourner et l'adresse de retour, c'est-à-dire les paramètres implicites. Vous rebasculez, c'est-à-dire vous avez sauvegardé un contexte, maintenant vous faites une permutation de contexte. D'accord? C'est ce que vous appelez en système permutation de contexte, non? Oui ou non? Oui, madame. Voilà. Maintenant, et puis vous libérez la zone de données de la procédure. Pourquoi? Rappelez-vous ce qu'on a dit. On l'a dit dans le cas allocation statique. Hein. Dans le cas de l'allocation statique, en exécution, tout est présent en mémoire. Tout est présent en mémoire. Vous avez besoin de retourner vers un programme. Vous pouvez retourner à l'aise pendant l'exécution. Même quand vous sortez de l'exécution, les programmes, ils sont encore en mémoire. En allocation dynamique, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous sortez d'une procédure, vous libérez la zone de données de la procédure. D'accord? Et si vous devez re-rentrer dans cette procédure, vous empilez encore l'adresse de la zone de données. Vous avez A qui a appelé B qui a appelé C. A appelé B, A appelé C. Donc, vous êtes dans C. Donc, la zone de données de C, qu'est-ce que ça contient? Ça contient le display de C. Qu'est-ce que c'est le display de C? C'est l'adresse de zone de données de A, enfin du programme principal, de A, de B et de C. Mais quand vous sortirez de C, l'adresse de la zone de données de C n'existera plus. Elle n'existera plus dans... C'est-à-dire, vous n'avez plus accès à la zone de données de C. Vous allez retourner dans B. Dans B, vous n'avez pas accès à C. OK? C'est bon? Oui. Très bien. OK. Maintenant, donc, que contient le registre active-area ou dispactive? Que contient? Alors, dispactive contient
l'adresse du programme qui a appelé. C'est ce que je viens de dire. Si vous êtes sorti de C, le display actif, c'est l'adresse de B parce que c'est B qui est en cours d'exécution maintenant. Et puis, vous vous branchez à l'adresse de retour, c'est-à-dire vous vous branchez à B juste après l'appel de A. Est-ce que c'est bon? Ça va? C'est bon? Oui, madame. Très bien. Alors, donc là, il reste, je vais vous envoyer l'exemple des étiquettes. Et alors, le traitement d'un bloc. Alors, un bloc, qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez un bloc? On a dit qu'on empilait une tête de pile, c'est ça? On empilait la tête de pile et on empilait toutes les variables qui appartiennent au bloc, que ce soit les variables locales, les variables simples, locales, dans la partie statique, et tout ce qui est dynamique, c'est à partir du pointeur, c'est à partir du tête de pile. Donc, ça, c'est à la rencontre du bégay. Mais quand vous rencontrez le end, pas avant le end, hein, pas avant le end, après le end. Après le end, comme tout à l'heure, après à l'étiquette L7, par exemple. Hein, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Vous libérez l'espace occupé par ce bloc. On ne parle plus de ce bloc tout à l'heure. Tout à l'heure, on a libéré, regardez, on a libéré le bloc 1 ici, le bloc 2 ici. On a libéré le bloc 2 quand on est là. On ne parle plus du bloc 2, d'accord? On ne parle plus de I, de J ni du bloc. Voilà. Alors, maintenant, à la rencontre de Ed, de end, pardon. Donc, on libère l'espace. Mais à la rencontre, c'est-à-dire quand vous terminez le end, pas avant le end, hein, c'est-à-dire, regardez mon curseur, après le end, pas avant le end. Tant que vous n'avez pas parcouru le end, ça veut dire que vous êtes encore dans le bloc. Alors, maintenant, le traitement des tableaux. Tableaux ou fichiers dynamiques. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous réservez de l'espace pour le vecteur. Parce que, en fait, vous savez qu'il y a un tableau, hein. Dès la compilation, vous savez qu'il y a un tableau. Mais vous ne connaissez pas l'espace que devra occuper le tableau. Et puis l'adresse à laquelle vous allez allouer des éléments pour le tableau. Donc, qu'est-ce que vous faites? En compile, vous réservez un espace qu'on appelle le vecteur de renseignement. On sait qu'il va contenir des choses. On sait qu'il va contenir le nombre de dimensions. La borne inf, la borne sup, la taille, c'est-à-dire on sait ce qu'il va contenir, mais on ne connaît pas le contenu. Le contenu, il va être mis à jour pendant l'exécution. Est-ce que vous me suivez? Vous avez déclaré un tableau B, vous le savez déjà en compilation. Il existe en compile, hein. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que combien d'éléments a ce tableau, la taille donc du tableau, et puis où est-ce qu'on va réserver de la place? Ça, on ne le sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réserve la place et pendant l'exécution, on met à jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ce tableau? On alloue dans la zone de données. Donc, vous réservez de l'espace. Dans la zone statique, vous réservez de l'espace pour le vecteur de renseignement. Et puis, pendant l'exécution, qu'est-ce que vous faites? Vous allouez de l'espace pour ce tableau à partir du sommet de pile, comme on a fait tout à l'heure pour B et C. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Oui, madame. B et C. Voilà, c'est à partir de la tête de pile. Alors, maintenant, donc c'est le tête de pile au début, pendant l'exécution, pendant la compile. Pendant la compile, c'est juste un registre qui contient quelque chose de statique. Maintenant, quand vous allez allouer de l'espace, donc au début de l'exécution, il contient quelque chose, mais quand vous allouez de l'espace, ce registre, le contenu de ce registre va changer. Il va contenir
là où vous avez alloué de l'espace, donc après l'allocation de l'espace. Alors, c'est ça qui nous permet de libérer. Donc, quand on doit libérer, on sait où est-ce qu'on doit libérer. C'est ce tête de pique qui nous dit où est-ce qu'il faut retourner. Parce qu'en fait, il s'est incrémenté. Il s'est incrémenté. Donc, au début, il avait une valeur. On a alloué de l'espace, il a changé de valeur. Maintenant, on désalloue. On désalloue. On désalloue. Donc, on revient à l'espace, avec à l'adresse initiale, à l'espace initial aussi. Alors, remarque, la zone de données est libérée. La zone de données est libérée entre le sommet de pile courant, d'accord, jusqu'à l'adresse du sommet de pile du bloc englobant ou sommet de pile de la procédure. C'est ce qu'on a fait ici, regardez. On a alloué de l'espace à B, on a alloué de l'espace à C, on avait une tête de pile qui avait pointé juste avant C, et avant, après allocation, on l'a fait pointer après l'allocation des éléments de C, mais quand on sort de ce bloc, qu'est-ce qu'on a fait? On libère l'espace occupé par C, par exemple, hein? D'accord? On libère l'espace occupé par C dès que vous sortez de ce bloc. Si vous ne sortez pas du bloc, l'espace est toujours réservé. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Alors, la récursivité. La récursivité, alors, c'est tous les langages. Il n'y a pas que Algol. Hein. Donc, par contre, il y a des langages qui ne permettent pas la récursivité. Hein. C'est statique. Hein. L'allocation, elle est statique, donc tous les programmes sont en mémoire en même temps. Alors, les langages statiques, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? C'est que on ne peut allouer l'espace que pendant l'exécution. Vous avez A qui a appelé A, qui a appelé A, qui a appelé A, donc c'est récursif. Il faut savoir combien de fois on a appelé A. Donc, vous avez appelé A la première fois, il y a une zone de données. Vous avez empilé l'adresse de la zone de données de A, premier appel. Vous allez appeler encore A. Vous êtes toujours dans A. Vous allez appeler encore la deuxième fois A, c'est récursif. Vous empilez encore l'adresse de la zone de données de A, mais au deuxième appel, c'est-à-dire les valeurs peuvent avoir changé, les valeurs des paramètres. Vous appelez encore la procédure A au bout du troisième appel. Donc, vous empilez encore la zone de données de A pour la troisième fois, mais avec des valeurs différentes. Hein, parce que si vous avez appelé A plusieurs fois, ça veut dire que les données de A ont changé. Donc, la zone de données de A, ça sera quoi? Le display de A, qui c'est qui peut me répondre? Qu'est-ce que ça va être le display de A? Qu'est-ce que ça va être le display de A? Hein? Alors, hein? Alors, madame, vous pouvez répéter. Il y a A qui a appelé A qui a appelé A. D'accord, c'est récursif. Que contient à ce moment-là le display du dernier appel de A? A a appelé A, a appelé A. Donc, j'ai fait trois fois l'appel de A. Que contient le display de A? Adresse de données, de zone de données de A, adresse de zone de données de A et adresse de zone de données de A. Très bien. C'est Amroj. Oui. Il n'y a que Amroj et Messeram et Amaïs, c'est ça? Les autres étudiants sont absents. Très bien. C'est noté, hein? D'accord, ne me dites pas, madame, ne comptez pas l'assiduité. Madame, wallah, qu'on était là. Madame, on n'a pas très bien suivi. Madame, la connexion n'était pas bonne. Madame, on était malade. Madame, on habite loin. Madame, là où on habite, il n'y a pas de connexion. Je n'entérine pas. D'accord? Donc, s'il vous plaît, je veux des étudiants assidus. Je suis malade, je suis grippée, je suis en train de faire le cours difficilement, mais je le fais. D'accord? Alors, les deux délégués, Merali et Messeram, s'il vous plaît, faites le nécessaire. Alors, l'allocation, donc, la zone de données, le display de A, il contiendra l'adresse de la zone de données au premier appel,
l'adresse de la zone de données au deuxième appel et l'adresse de zone de données au troisième appel. Et quand vous voulez accéder aux variables de A, qu'est-ce que vous avez dans cette zone de données? Quelle procédure A? Laquelle? Si vous voulez accéder aux variables de A, troisième appel, qu'est-ce qu'on a en fait? Qu'est-ce qu'on a? Comment récupérer? Qu'est-ce qu'on a exactement dans le display de A, troisième appel? On a les valeurs de la procédure A. La dernière adresse de récurrence. Pardon? Oui, allez-y. La dernière adresse de récurrence. C'est ça. La dernière adresse du bloc. C'est ça, parce que c'est A qui est appelé A qui est appelé A. Vous avez accès aux zones de données des premiers A, mais la procédure active, c'est le troisième appel de A. D'accord? C'est le troisième. Alors, donc, à chaque appel du procédure, une zone de données est allouée. À la fin de la procédure, cette zone est libérée. Donc, quand est-ce que vous libérez l'espace? Quand est-ce que vous libérez l'espace? C'est quand vous sortez de l'appel. Quand vous sortez du premier appel, vous libérez. Vous sortez du deuxième appel, vous libérez. Vous sortez du troisième appel, vous libérez. On ne peut plus faire d'occurrence. Pardon? Pardon? Oui? Qu'est-ce que vous avez dit? Quand on ne peut plus faire la récurrence. C'est ça, la fonction exactement. Infinie. Quand vous sortez de la récurrence, voilà. Très bien. Maintenant, pour ça, vous avez un exemple direct en TD. Hein. Quand est-ce que vous avez TD? Quand est-ce que vous avez TD? Le lundi. D'accord. Donc, lundi, vous allez faire l'application directe. OK? Application directe. Maintenant, il nous reste… Donc, j'ai terminé le cours sur l'organisation des données, l'allocation statique et dynamique. Qu'est-ce qu'il faudra retenir? Alors, l'allocation statique. Dans l'allocation statique, tous les espaces mémoire, les adresses des débuts des zones de données sont connues à la compilation. Sont connus à la compilation. Les programmes, ils sont pendant la compilation et ils y sont encore pendant l'exécution. Quand vous sortez de l'exécution, vous ne libérez pas les espaces. Et vous, quand vous voulez accéder à la variable du procédure, vous pouvez accéder à l'S. Les adresses sont connues, les zones mémoire sont connues, l'allocation, toute l'allocation des données est connue. En allocation dynamique, rien n'est connu. C'est exactement comme statique, sauf qu'en statique, ça se fait pendant la compile et pour le dynamique, ça se fait pendant l'exécution, c'est-à-dire les calculs que vous avez faits en compilation. Dans le cas de l'allocation statique, vous avez calculé des adresses et des tailles de variables, des tailles de fichiers pendant la compilation. En allocation dynamique, vous préparez ce calcul. Vous préparez ce calcul, c'est-à-dire que par exemple, un appel de procédure, ça ne sera pas une réservation directe, ça sera un code. C'est comme le if. Le if condition, on ne sait pas comment ça va être la condition pendant l'exécution. Donc, on génère du code. On va dire que générer les quadruplés de la condition, si la condition est fausse, elle est instruction 2. Si la condition est vraie, exécutez instruction 1 et sortez. Rappelez-vous, on disait que si on ne disait pas, si en exécutant l'instruction 1, on ne disait pas sortir, on aura une erreur d'exécution. En compilation, le programme est bon, mais ça sera une erreur d'exécution. Pourquoi? Parce que quand on a traduit, on n'a pas traduit correctement le if. C'est la même chose pour la procédure. Il faut traduire correctement la procédure. Le code de la procédure. La procédure dira que récupérer le nom, aller dans la TS, vérifier que c'est une procédure, compter le nombre de paramètres, vérifier les types des paramètres, sauvegarder les paramètres implicites, sauvegarder les paramètres de la procédure. Tout ça, vous le préparez pendant la compilation. Vous préparez le code. Hein. Il ne sera pas exécuté. Il sera exécuté pendant l'exécution dans le cas dynamique. Sinon, ça sera pendant la compilation. Est-ce que ça va? Ça va?
Oui, madame. Très bien. Maintenant, donc le cours prochain, ce sera toujours en ligne, c'est ça? En ligne. Oui, madame. D'accord. Et ce ne sera pas la Khalota, parce que les étudiants de IV, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les IV. Ils m'ont dit, madame, le cours, ça va être lundi. Lundi. Et ça a perturbé tous les enseignants. Alors que les IL n'ont pas posé problème. Les IL, j'ai dit en ligne, ils ont compris que c'était mardi. Hein. Les IV ont compris que c'était lundi. C'est-à-dire, on faisait le présentiel, mais en ligne. Voilà. Mais ce n'est pas de ça qu'on parlait. Mais ce n'est pas grave si on le savait dès le début. Ce n'est pas grave. Si on s'était entendu sur ça dès le début, ce n'est pas grave. Mais ils ont attendu la dernière minute, les IV, pour me dire, madame, cours lundi. Ce n'était pas possible. Donc là, ce qu'on fait, pour le reste, la compile, on est à l'aise. Hein. On est à l'aise en cours. Est-ce qu'on fait l'examen la semaine prochaine? Mais ça sera présentiel. L'interro. Parce que vous m'avez dit, rappelez-vous, il me semble que les étudiants, que ce soit IL ou IV, m'ont dit qu'ils préféraient une interro à part de l'EMD. Hein? Oui? Ça, c'est qui? C'est les IV. D'accord. Et les IL, mes sœurs. Oui, madame, même les IL ne sont pas d'accord, la plupart. C'est-à-dire, ils préfèrent un exo de l'interro. Madame, Un exemple de l'examen. il y a toujours ceux qui veulent. Attends, attends, on laisse d'abord mes sœurs terminer, ensuite on passe à Moche. Oui, mes sœurs. Oui? Y a ceux qui veulent faire un test, il y a ceux qui veulent genre juste un exemple de l'examen. Ça, c'est les IL. Oui, IL. Oui, mais moi, je ne vais pas vous donner le choix. Non. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que je vais travailler. Vous me donnez une réponse. Soit je fais le test, soit un exo de l'examen va rentrer comme test. Non, je ne fais pas les deux. Hein. Oui, mais la majorité sont pour un exo de l'examen. Khlas. Donc, mes sérins, vous dites que un exo de l'examen sera. Maintenant, si vous changez d'avis, vous me le dites. D'accord? Mais c'est pour toute la section. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, vous avez D'accord, compris ce madame. que je veux dire. Mais allez, vous pouvez changer d'avis, mais je vous laisse quelques jours, vous me tenez au courant. OK? Il n'y a pas de problème, mais on fera en présentiel. Oui, madame. OK, très bien. Maintenant, C'est pour la semaine prochaine, c'est on change d'avis. non, le Vous test, ça va l'appelez être. Il nous après le reste combien? ramadan. Non, si on laisse après l'examen, la Ramadan, après l'Aïd, ça va être juste, hein? Parce que vous ne vouliez pas faire. Non, vous ne vouliez pas faire aussi de tests juste avant les EMD. C'est ce que vous aviez dit aussi. C'est Oui, ça? oui, oui. Et oui. Donc, ça va être pendant ces 2 semaines. Donc, c'est soit cette semaine, la semaine qui arrive, soit la semaine l'autre. Ce n'est pas l'Aïd. La semaine, attendez. La semaine qui a démarré, on était le 10. Ce n'est pas la semaine du 17, mais ça. Ah oui, ça sera la semaine. Oui, ça sera juste. Hein. Ce sera la semaine du 24. D'accord, c'est soit le 17, soit le 24. C'est bon, D'accord, Messenam, vous avez saisi. oui, madame, merci. D'accord, puisque on a dit que pas d'examen pendant à l'approche des EMD. OK. Oui, madame. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Par contre, en TP, il y aura un test écrit en TP. Hein. Il y aura un test, une évaluation écrite en TP. Hein. D'accord? Je ne sais pas encore la durée, on ne l'a pas encore décidé, mais il y aura un test. Hein. Il y aura un test de TP, écrit hein, en plus. Alors, ils ont dû vous expliquer, les enseignants de TP, comment ça va se faire. Oui, Hein? madame, oui. Voilà, très bien. C'est bon, j'ai terminé avec mes CRM. Est-ce que Merali a quelque chose à rajouter? Merali? Merali? D'accord, très bien, il n'y a rien à rajouter. Maintenant, Amrouche. Amrouche. Ah, madame, c'est bon, c'est réglé. Très bien. Et les autres étudiants, s'il vous plaît, les étudiants, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Il n'y a pas de problème. Hein? Est-ce que vous suivez les cours? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Les étudiants. Oui, madame. Très bien. IVIL pour les présents, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein? Très bien. Voilà. OK. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ben, si vous avez des questions, faites-moi un mail. Si vous voulez que je reprenne une partie de cours ou quelque chose comme ça que vous n'avez pas compris,
vous me faites un mail et je reprendrai avec vous en direct, ok? C'est-à-dire en ligne, ok? C'est-à-dire vous me faites un mail, mais je programmerai un petit créneau pour répondre à vos questions en ligne. C'est bon? D'accord, madame, merci. Très bien. Il y avait une dernière chose que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, on verra. Donc voilà, je vous libère. Vous avez cours après? Non, madame, elle n'a pas un cours. D'accord. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous n'avez pas d'autres problèmes? Il n'y a pas de problème? Il n'y a pas du tout de problème? Hein? Pas de problème. D'accord. Ok. Très bien. Parfait. Allez, au revoir. Travaillez bien. Merci, madame. Ressaisissez-vous, je suis déçue. Hein? Allez, au revoir. Merci. Bonne journée.